Yo les gars, c'est Jeffrey. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 22e épisode de ma carrière. Je vous fais cette petite intro après la vidéo parce que le début n'a pas rec. Donc, gros programme aujourd'hui avec de la Ligue des Champions face à Hoffenheim. Mais d'abord, ce match face à Burnley. Je vous laisse avec le premier match, les gars. N'hésitez pas à liker, vous abonner, vous connaissez. Un but à zéro donc après 7 Et minutes de attention, jeu. Olivier Giroud attention. donné À ce ballon le Hoffenheim premier, mais l'avantage. quelle parade d'Edouard Mendy, superbe. Allez, il peut me la Ouais, là c'est remettre. une bonne C'est séquence. superbe. Je la Il décale arrive pour pour tirer. Kanté, qui la décale. Derrière, en fait, c'était Sterling. Putain, la Oh, barre, dommage. le ballon Pourquoi de pas ce beau Sterling. ballon de Sterling qui arrive jusqu'à moi. Je vais tirer maintenant. Putain, j'avais peur que le défenseur me rattrape. Ok, Et voilà, fin Olivier de Giroud cette qui marque première le but période, de les gars. Hoffenheim. Un petit peu d'occasion de l'autre côté, mais c'est pas un match de fou non plus, on va dire. Pour l'instant, on n'arrive pas à marquer. C'est compliqué, c'est un bloc bas, mais on va essayer de tout faire pour gagner. Qu'est-ce qu'on a concernant nos adversaires directs? City gagne 2-0, Liverpool 0-0, et après le reste, ils ne jouent pas en même temps que nous. Donc, on va reprendre et essayer de gagner ce match. Attention. Et attention à la frappe directe. Et encore Mendy très concentré. Balader Ok, tente ça de m'arrive trouver la dessus. cible. Ça Rudiger m'arrive dessus. retrouve L'extérieur et passe pas Rudiger. loin. J'avais du temps. Avec Berardi, je la décale. Balader Quel tente décalage de de fou. trouver la Sterling. cible. Sterling avance. Magnifique combat J'y de suis. En Rudiger qui retrait. prend pour La Sterling. feinte. Oh là là. Putain, quel Magnifique mauvais combat de tir. Rudiger. Sterling. Raheem Sterling. C'est bien. Ah, la frappe C'est est bien dommage. combiné. La frappe de loin, c'est tenté. Et malheureusement, c'est terminé, les gars. On a joué au con. Et du coup, on s'en va de là-bas avec seulement un point. Franchement, ça me fait vraiment chier. Putain. On perd vraiment des points bêtes, en fait, dans ce championnat. Je sens qu'on va vraiment le regretter à la fin. Parce qu'à tout moment, là, si Tottenham ou Manchester United faisaient ne serait-ce qu'un nul, ben, on revenait vraiment, mais alors vraiment pas loin d'eux. 8 tirs, on doit mettre au moins un ou deux buts, c'est pas normal. City, par exemple, là, ils en ont mis 4. La preuve. Hein. Putain, ouais, non. Là, on a joué au con. On va juste voir au niveau du classement ce que ça a changé. Après, on va s'attaquer à la suite et donc la Ligue des Champions. On est troisième. Et voilà, regardez les Spurs. Je crois qu'ils ont seulement fait un nul. Non, ils ont perdu. Je sais pas, on va voir. Où sont-ils? Ah, ils ont gagné, mais bon, ils sont que à 2 points de nous, donc on serait devant eux, potentiellement. Et Manchester United, ils ont toujours pas joué, malheureusement. Donc pour eux, on sera pas. Mais bon, ça nous aurait rapproché de l'objectif. Au niveau de la Ligue des Champions, je vais juste vous montrer les autres rencontres. Bayern Leipzig, Liverpool City, Hoffenheim, Chelsea. Putain, on a vraiment tiré le gros lot, ou plutôt le petit lot là. Et Barça Real, incroyable, putain. Le classico en quart de finale. Bah écoutez, que les meilleurs gagnent. Nous, on va continuer jusqu'au match. Encore une offre, putain, Lille. Non, merci. Ça ira. Et du coup, hop. Voilà, on va partir. Directement, on n'a rien à regarder. Jouer match, est-ce qu'on a du nouveau dans la compo? J'ai pas l'impression. On a Guitrida qui est rentré à la place de Thiago Silva, ok. Mais sinon, rien n'a changé. Et côté Hoffenheim, je vous avoue que je connais pas grand monde, mis à part Baumann. Et après, ouais, le reste, franchement. Ah, Montiel à droite, ok. Mais s'ils sont là, c'est vraiment, mais alors vraiment pas pour rien. Faut pas jouer au con là-dessus. Pression au défensif pour Et Tottenham. gagner. Olivier C'est bien beau d'avoir mis 5 buts dans les 3 derniers matchs de Ligue des Champions, mais faudra faire plus pour accéder au rang supérieur. On passe, les gars, on la connaît, la musique. Guitrida dégagé On est par parti Baumann. pour ce quart de finale Et aller de c'est la Ligue Thiago des Silva qui Champions. demande. Benjamin Dagger ensemble. Hoffenheim contre Chelsea. Ouh, la première grosse faute, j'espère qu'il ne m'a pas blessé. Ce serait le pire scénario du monde. En tout cas, grosse faute, est-ce que c'est rouge? Et voilà, ça C'est fait jaune, rouge est-ce que je suis pour blessé? Non. Mathieu Martial. Oh, la première occasion. Ils lui ont ouvert tout l'espace.
Lui ont ouvert tout l'espace, Mendy qui s'impose quand même. Pourquoi pas dans le trou. Ce ballon, il est superbe. J'y suis derrière, je décale une touche. Bien joué, il me la remet, la frappe. Oh, quelle action! Quelle action de fou! C'est digne de la Ligue des Champions, ça c'est sûr. Très beau but, très belle action. On passe devant, ça fait super plaisir. On va la revoir. Sterling qui me la met bien. Je la mets une touche et là il me sent partir au cas où. Et il me la remet très très bien. Et je la frappe à vrai. Après un petit contrôle, pardon. Et j'ai bien fait, c'est dedans. Et attention, attention à cette opportunité. Le duel, oh là là. 10 secondes après, ils encaissent déjà un but. Nos pauvres défenseurs et notre pauvre gardien, putain. Ah ouais, il est beaucoup trop haut. Je sais pas qui c'est des trois. Je crois que c'est Nacho Fernandez. Mais en tout cas, après, face au but, c'est dedans. Le ballon de l'autre côté, c'est bien fait. S'il arrive à me décaler, une touche, la frappe au premier poteau. Et on répond directement avec ce doublé. Incroyable, on les calme. Là, c'est la meilleure célébration au meilleur moment. Franchement, je me suis dit à tout moment là, après leur premier but, ils nous explosent maintenant. Mais au final, encore une superbe action et encore de très bons choix qui nous permettent de prendre l'avantage. Là, vraiment, peu de temps, 3 buts, c'est incroyable. Oh, superbe ce ballon. Oh, superbe ce ballon, l'enroulé. Je voulais la faire du gauche, dommage. Oh, ce ballon. Oh, ce ballon. Attention, la balle de l'égalisation pour Offenheim. C'est dedans. Mais quel match, les gars. C'est bondé de buts. Franchement, ça ne manque pas de spectacle. Mais j'aimerais vraiment que ce soit en notre faveur. Là, on encaisse encore après une défense trop haute, en fait, dans ce match. Oh là là, quelle action. Quelle action. Quelle action digne de la Ligue des Champions. On en parle avant, ben là, on s'est fait avoir comme des blues. Putain. J'en reviens pas ce qu'ils sont pris là, la défense. Ce 1-2-3. Et là, il est tout seul, mais alors tout seul. Pour finir, Mendy battu encore une fois. C'est dur ce match. 3-2. Offenheim qui reprend le lead. Et du coup, on arrive à la mi-temps. Avec, ben, pour l'instant, la défaite et l'élimination. Même si ça va se jouer au match retour, ça c'est sûr. Mais bon, franchement, ils ont annoncé la couleur. Le Real qui gagne 1-0 face au Barça, ok. Et du coup, on détaille le match. 3 tirs pour nous, 2 buts. 6 tirs pour eux, 3 buts. Ben, c'est mérité, on a certes la possession, mais c'est vraiment pas suffisant. Bien joué, j'y suis. Superbe, superbe. Faut finir. Oui, c'est dedans. Le triplé, si t'es pas content, le voici. On va aller voir leurs supporters pour leur montrer qui on est. Incroyable, on s'assoit chez eux. On égalise. Franchement, je me suis dit que c'était mort. Mais là, encore une fois, on revient. C'est vraiment bien. Belle passe. J'ai pris mon temps d'ajuster, les gars. J'ai pas fait le con à inventer. Et c'est dedans. Tant mieux pour nous. Allez. Oh là là, oh cette combinaison, encore on se fait avoir 4-3 alors qu'on pensait partir avec le nul. Ils nous font savoir que ça va pas se passer comme ça. Franchement, ils nous font tourner en bourrique. Vraiment en attaque, ils sont très très forts. La preuve encore, la remise et il est tout seul. Hein. C'est fou, c'est fou les gars. Et donc la fin du match les gars. Un triplé de chaque côté. Pourtant, ça aura pas suffi à partir avec un nul. On part seulement avec le ballon. On espère sortir du retour avec la victoire et non pas le ballon. Si y a le ballon en plus, c'est mieux. Mais bon, vraiment, c'est dommage hein, parce qu'ils sont très très forts. On avait dit de pas les sous-estimer. Et vraiment, on l'a fait au final hein, parce qu'on sort avec une défaite. Putain, c'est fou. C'est fou. 7 tirs à 4. En fait, on tire pas assez, c'est ça le problème. Là, il n'y a que moi qui ai tiré. À la fin, je mets une petite passe pour Havertz, mais je sais pas pourquoi c'est pas jeté. Je ne saurais pas vous dire.
En tout cas, tout reste à faire. Pour l'instant, on est dehors. Et ça fait chier. On enchaîne 2 jours après contre Crystal Palace. Donc, je pense pas qu'on va jouer énormément, les gars. Va falloir être prêt pour le retour et être à 100%. Même si c'est vrai qu'il faut gagner hein, en première ligue. Ça, c'est clair, net et précis. Est-ce qu'on a enfin à jour? Non. On n'est pas à jour. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on va jouer déjà? Ah ouais, Crystal Palace, ouais. Crystal Palace, j'ai pas vu. Hop. Ok, 15e. Ouais. Si on marque un ou deux buts, on sort tôt, les gars, ça c'est sûr. Il a pas mis de remplaçant, il a mis l'équipe type. Il est un petit peu bête, Lampard, on va pas se mentir. On part directement. Allez, go, les gars. Bien. Pas mal. Allez, Havertz. Allez, Havertz, c'est super, on peut pas mieux faire. 2 minutes de jeu, on marque déjà. Havertz, peut-être qu'il aurait dû être titulaire au dernier match parce que ce qu'il fait là, vraiment, c'est magnifique. Bien joué, 1 à 0. Bien joué, super bien joué, super bien joué, super bien joué. À rater, 2-0, 5 minutes de jeu. Je l'ai dit qu'il fallait vite marquer un ou deux buts, et là, c'est ce qu'on fait. Là, on nous voit bien. J'espère vraiment que ça va faire pareil pour le prochain match de Ligue des Champions. Tout simplement magnifique. On décale. Bien joué. Bien joué. Faut finir. Oui, c'est dedans. 3-0. Je sais pas comment c'est rentré, mais en tout cas, c'est dedans. Havertz, le doublé. Il montre qu'il doit être titulaire et c'est bien parce qu'on en a besoin de ce genre de joueur. Après tout ce qu'on a perdu. Incroyable, ok. Il a voulu la mettre à Sterling, ça revient sur lui et c'est dedans. Bien joué. Attention, ça lui revient dans les pieds. Hein. Eh ben ouais, hein. Faut rester concentré, les gars. 3-1. Attention quand même, hein, parce que là, deux tirs contrés. Au final, ça leur revient quand même dessus et c'est dedans. Bien joué, la dernière occasion de ce match. J'essaie de passer. J'essaie de passer et de frapper du droit. Le bel arrêt. Bien joué. Derrière. Le petit décalage. Encore. L'enroulé. Passe à côté. Putain, elle est pas belle. J'ai mal visé là, j'avoue. C'est ma faute. En tout cas, pour l'instant, même 3-1. On peut se faire rattraper. Mais bon, je pense que je vais quand même sortir assez tôt, les gars. Pour pouvoir être au top. Et le bon centre au premier poteau, on encaisse, putain, c'est fou. Ah là 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 là. Bon, je reste jusqu'à la 60e, les gars, parce que là, franchement, ça commence à me faire peur. On était si bien, mais là, deux actions, deux buts pour eux. Va falloir faire attention. 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 Superbe. Superbe. J'y suis. La frappe au second poteau, incroyable. Sur quoi de mieux sortir que ça? À vous de me dire en commentaire. Franchement, pas mal. Je me suis dit que j'allais la tenter. J'ai presque regretté de pas l'avoir tiré au premier poteau, mais au final, je pense que j'ai très bien fait. Vu où elle est partie, c'était un petit missile Predator. Très belle action. Et elle part super bien. Voilà, le petit contrôle. Et bam. Quasiment imparable, quasiment en pleine lucarne. On va demander directement le remplacement. Hop, on sort. Les gars, s'il vous plaît, ne me faites pas le même coup. Lukaku, je compte sur toi. Essaye d'être buteur, genre, ça serait bien pour l'équipe. Ok, 5-2. Et qui a marqué, du coup, triplé d'Havertz. Putain, j'espère qu'il sera titulaire avec moi, du coup. On va voir ça. Hop, on simule ça. On va voir. D'abord, ce que ça a changé au classement. Tac, première ligue. Alors, on est second. Les Spurs qui ont 2 matchs de retard. Et on est à égalité avec Manchester United. Mais pareil, ils ont 1 match de retard. Donc, c'est difficile à savoir vraiment où on est. En tout cas, faut vraiment rattraper ce score-là, les gars. Je ne sais pas les autres scores, ce que ça a donné. 1-0 pour Leipzig, 1 partout entre City et Liverpool et 1-0 pour le Real. Eh bien, il reste tout à faire
dans cette compétition. On va regarder vite fait les infos. Alors, qu'est-ce qu'on a? Jeffreys, bien parti pour devenir meilleur buteur. Ok, même s'il reste encore 5 matchs à disputer, la cause semble entendue. Avec un total impressionnant de 26 buts, Jeffreys dispose d'une confortable avance sur son principal rival, Son, qui, avec 20 réalisations, aura besoin d'un miracle pour refaire son retard. Ça, c'est pas faux. On va même l'enfoncer un petit peu plus. Chelsea, la victoire au rendez-vous, ça on a vu. Plus fort que Crystal Palace. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Putain, City en fait qui ont gagné contre Manchester United. Ok. Mais bon, c'est toujours pas où on en est. Havertz, 3 buts et le ballon du match. Saint-Maximin, joueur du mois. Est-ce que j'y étais? Je ne pense pas. Cancelo, Perez, Saint-Maximin et Traoré. Non, on n'y était pas. Bon, logique, on est un petit peu en dessous. On va du coup continuer jusqu'au match. Toujours pas d'entraînement, mais toujours des offres de prêt. Et l'AS Vérone, non, merci. Ben, on va y aller. On va juste voir. Je voulais voir en Ligue des Champions, en termes de buteur, où on en est. 11 buts en 9 matchs. Ok, on est meilleur buteur devant Mbappé et Ferran Torres. Ok, ben, on va partir, les gars. Il reste tout à faire, comme on l'a dit. J'espère vraiment une victoire. Ce serait cool hein, de passer en demi-finale. En tout cas, la compo est là, mais Havertz ne l'est pas. Putain, c'est dommage. Ah là là. Allez, va falloir les recevoir comme ils l'ont fait pour nous, avec beaucoup de buts et une victoire. On est à un point, enfin plutôt un but de moins que. Allez, on va s'écouter vite fait la musique. Hop. Le beau tifo. Voilà. Allez. On est parti, les gars. La Ligue des Champions, peut-être l'ultime match. Ouh là là. Ouh là là, la première occasion, c'est déjà dedans. Cucurella à la rue. Complet. C'est pas possible d'être autant perdu. Ah non. Putain, on peut pas faire pire. Il faut en mettre deux. Il va falloir en mettre deux vraiment là. Mais très vite, parce que c'est pas le dernier qui vont marquer, je pense, si on continue à être comme ça. Regardez-moi ça. C'est même pas ce qu'il fout sur un terrain de football. Et après, il troue la lucarne de Mendy. On décale. Côté. Fini. Fini. Oh, Berardi, dommage. Oh là là, l'action. Oh là là, l'action. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait quand t'es les gars? Vraiment des trucs qu'ils font, je sais pas. Je sais pas. On est vraiment en dessous. Ça fait chier, hein, parce que je sais qu'on en est capable, mais si on joue comme ça va pas être possible. Ça, c'est sûr et certain. Oh là là. 5-3, du coup, en cumul, les gars, comme vous le voyez. Et en termes de stats, je pense qu'ils sont devant. Ouais, ils sont devant. On a la possession, mais on n'en fait rien en fait. C'est maintenant ou jamais, les gars. 45 minutes pour changer l'histoire. Sterling. Bien joué, il m'a trouvé. Je la décale pour Cucurella. Où il va, Cucurella? Où il va me la mettre? Allez, on va chercher ce putain de ballon. Et aller se qualifier, les gars. Bien joué. Bien joué Sterling, bien joué Cucurella qui se rattrape en tant qu'attaquant. Vu qu'il est nul en tant que défenseur, je lui mets bien, il me la remet, je m'y attendais pas. Et le défenseur qui m'a pas suivi après, trouage de lucarne, on sait faire. Un partout, mais 5-4 en cumulé. Allez, on y va, par-dessus. Il est très beau, il est très beau! On égalise, et cette fois, que ce soit dans le match ou dans le cumul, on est à égalité. Bien joué Guimarès. La très belle passe de ma part. Un petit peu haute, mais il la prend super bien. Incroyable à volée. Petit filet opposé. Égalité les gars. Maintenant, faut vraiment pas le prendre parce que ce qu'on fait là, c'est magique. C'est magistral. Bien joué la belle récupération.
Je la décale. Il me la redécale. Il me la redécale. Oh, le penalty. Le penalty. 70e minute, les gars. J'espère le tirer moi, mais ça me fait peur en vrai. En vrai, je sais pas. Mais en tout cas, c'est moi qui provoque la faute. Il m'a un petit peu retenu sur le tir. Bon, c'est léger, on va pas se mentir. En tout cas, penalty, c'est pas moi. Mais là-dedans, je t'en supplie. Oui! On est devant au tableau d'affichage. Incroyable. Non, non, on va pas prendre le ballon là. On va bien le laisser dans les cages. 6-5, les gars, en cumulé. C'est un match de folie. Berardi, lui qui a si peu confiance, ben il a fini de la meilleure des manières, en plus, magnifique. On est devant et pour l'instant, on est en demi-finale. On décale, tranquille, superbe. Oh là là, je suis passé, je suis passé, je suis passé. Le petit ballon, le petit ballon, on est officiellement en demi-finale de la Ligue des Champions grâce à ce but. Au finish. Incroyable, j'ai tiré à quelques millimètres du gardien, mais c'était la meilleure solution, je pense, magnifique. Et le dernier corner, pourquoi pas une tête. Mais là dans le tas, vas-y, j'y suis, oh là là. Et c'est terminé les gars, nous sommes en demi-finale de la Ligue des Champions. C'était une double confrontation de folie, peut-être la meilleure de la carrière. En tout cas, en termes de double confrontation, ça c'est sûr, je pense. Quel match, j'y ai pas cru. On s'est pris un but, du coup, on était à deux longueurs de retard. Mais au final, deux buts, une passe D pour moi. Mais surtout, cette qualification 7-5. Là, on a beaucoup tiré. Et du coup, on a beaucoup marqué. On a mis quasiment... Enfin, on a mis un tir sur deux même dans ce match. Ça fait vraiment plaisir. Le Barça qui se qualifie face au Real. Le trophée d'homme du match. Mais putain, il y avait des bonnes nouvelles. Et du coup, le Bayern qui s'est fait éliminer par Leipzig. Putain, c'est fou. Ensuite, Manchester City-Liverpool. Je pense que ça a dû se jouer au tir au but. Et du coup, nous et le Barça. Barça, pareil, c'est au tir au but en fait, ok. Putain, c'est fou. C'est fou. Quel match, quelle vidéo, les amis. Je pense pas qu'on ait déjà notre adversaire. On va voir quand même. Hop. Ligue des Champions. Ouais, non, le tirage n'a pas encore été fait. On verra ça dans la prochaine vidéo, les gars. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et moi, je vous dis à la prochaine.